Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour construire le numéro 2 de notre xénomorphe de Alien. Je déballe tout ça et c'est parti! Alors, déjà, avant de commencer, on se rappelle ce qu'on avait fait dans le numéro 1. Donc on avait déjà fait le crâne, installé la mâchoire supérieure, les dents. Je vous mets la petite fiche en haut d'ailleurs pour ceux qui veulent aller revoir la vidéo ou qui ne l'ont pas vu. Je voulais également vous parler du groupe Facebook, Construisez votre alien. Le lien sera dans la description. Venez nous rejoindre pour partager avec nous votre montage d'événements. En premier, on voit les pièces de ce numéro-là. Il va y avoir le classeur qui va être disponible à très bientôt. Les pièces de notre numéro 3. Donc, un peu comme sur Starsky & Hutch, ils nous mettent la pièce à chaque fois en bas. Donc, les pièces de notre numéro 3. Donc, ça a l'air d'être exactement pareil que sur le numéro test. Et bien, les pièces de ce numéro qu'on regarde par rapport au test, c'est la même chose. Donc là c'est pareil, rien de changé. Ensuite on voit notre résultat fini, le costume du xénomorphe. Ensuite Alien les créatures de l'œuf au xénomorphe, donc toute l'évolution, tout son cycle de vie, donc avec l'œuf, l'éclosion, l'implantation, la naissance et la forme adulte. Les capsules d'hypersommeil, donc on les voit se réveiller au début du film. Comment voyager dans l'univers. Donc là on voit le décollage de la mission Apollo 9 pour la Lune en 69. Là une affiche style rétro. Donc c'est la même qui est en cadeau avec la plaque métal, c'est celle-là. Et voilà pour ce fascicule numéro 2. Alors les pièces de ce numéro 2, on a notre mâchoire inférieure A. La mâchoire inférieure B. La mâchoire inférieure latérale A. La latérale B. Notre mâchoire rétractable A, donc c'est une pièce tout en métal celle-là. La mâchoire intractable 2, la numéro 3. Donc, tout ça, c'est des pièces en métal. On a ensuite la boîte d'engrenage pour la mâchoire intractable, une tige en acier inoxydable, un ressort. Et 3 vis. On prend déjà notre mâchoire rétractable numéro 2 ainsi que la numéro 3. On vient la mettre comme ça dedans. Et on y met notre tige pour l'emboîter. On vient ensuite placer notre ressort au niveau de la petite croix qu'on a ici. Qui se prennent juste là. On envoie bien, on vient le plater comme ça. On retourne ça et on y met deux vis.
On retourne ensuite l'ensemble. On vient emboîter la partie de notre engrenage juste ici, comme ça. Donc on l'enfonce bien à fond. Donc c'est ça qui va permettre, quand on aura branché le petit moteur sur le côté, de rentrer et de sortir la mâchoire. On pousse ça, on vient prendre notre mâchoire inférieure. Ensuite, on vient mettre la languette de la mâchoire inférieure B dans celle de la A. On va voir dans le test. Ah, mais il faut que je colle, vu que ça ne tenait pas bien. Là, c'est pareil. C'est pareil, donc on va prendre un peu de colle. On va y mettre un peu de colle au fond ici. On appuie bien pour que ça sèche. On vient ensuite placer la latérale A, donc cette pièce là. Donc on va venir emboîter dans les trous qui sont là. Pareil, on va y mettre un peu de colle à chaque fois pour que ça tienne. Toujours là, je suis pas bien aligné, donc je pense que c'est pareil, il va falloir qu'on colle pour bien le plaquer comme ça. On verra ça plus tard. On fait pareil de l'autre côté. On y met tout de suite un peu de colle. Je vais bien faire sécher ça. Alors, par rapport à notre numéro test, ça a l'air d'être exactement pareil. Hein. Peut-être un peu plus de marron ici. Et encore. Sinon, c'est exactement les mêmes pièces. Et je me demande s'il faut bien le coller quand même. Vous voyez les trous qui sont là,
c'est possible qu'ils nous demandent plus tard de les enlever pour emboîter quelque chose. Donc on va laisser comme ça. Ensuite, pour notre mâchoire interne, a l'air d'être exactement pareil. Les dents un petit peu mieux détaillées quand même. Là, on voit que les dents étaient toutes collées. Juste là, ils ont laissé quand même plus de jours. Il y a moins de dents. Ils ont amélioré les dents de notre mâchoire interne. Et voilà, j'espère que ce numéro 2 vous plaira. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Il y a le groupe de construction aussi, Construisez vos aliens. Tous les liens sont dans la description. Il y a un compte Tipeee également pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, où il y a le bouton rejoindre juste en dessous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!